dire qu'il nous bien reconnaître qu'il a en 2008 comprend beaucoup de manquements et il y a beaucoup de provisions là-dedans qui n'ont pas d'intérêt de travailler du tout. C'est pourquoi que le gouvernement, et reconnaissant qu'il est dans un problème qui travaille à faire face, il dit dans ce programme qu'il est pour amener la loi pour protéger ce travail. Donc, quand il passe ça, la loi là, premier first reading, nous comprenons qu'il y a beaucoup de changements qui sont besoin d'apporter là pour vraiment pour protéger ce travail. Donc, nous trouvons qu'il y a certaines organisations qui disent passe la loi là pour manier, après nous mettons. Nous ne sommes pas d'accord, nous faisons une proposition. Et nous comptons que le gouvernement, une apporte une correction nécessaire qui permet à un gouvernement qui vient au pouvoir licencier un permanent secrétaire, aussi un directeur, aussi un directeur qui est nommé dans un pareil tactique. Sa section-là nous a besoin d'enlever. Au gouvernement qui nous fait dans la loi, un directeur qui est nommé actuellement comme directeur, au lieu à mon section 111 de la Constitution, qu'ils ont fait, je n'apporte certaines modifications dans la loi là, actuellement, où ça veut dire qu'on a sorti avec 3 mois. La paix. Et j'ai le droit aussi d'aller par la suite retourner dans une ancienne cause. Qui est-ce qui est concerné par ça? C'est un directeur qui est nommé politiquement. Oui. Donc nous pouvons dire que bizarrement, c'est que je suis en 11 et qui se fait maintenant, je donne un golden échec qui est nommé politiquement pour que je gagne de temps à la paix avant de parler. Tout cela nous prenons l'impact, l'autre représentativité. Donc nous finissons attirer l'attention au gouvernement pour moi, je tenais une certaine justice par rapport à nous, la loi qui peut venir, la loi qui n'est pas pour là, pour des autres, pas jour, la loi qui est pour là, pour au moins un certain nombre de temps. Donc, à cause de cette modification-là, si cette modification-là a porté, nous n'avons pas à dire, à nourrir ce consensus. Donc, nous, comme syndicat, nous faisons faire l'éducation, nous faisons faire formation de du monde, mais il ne faudrait pas nous faire mettre de visière. Après, finalement, nous ne sommes pas capables de mettre passer la loi, après, nous continuons à critiquer. Nous faisons faire des choses qui, une fois pour toutes, tout ce manque que nous trouvons, nous corrigeons une bonne fois. Donc, une institution qui fait une réussite sociale, dialogue social, c'est justement ça l'issue qui amène le salaire minimum. Là. Mais là, c'est que le gouvernement a besoin de faire. Parce que dans la section née de ça, la loi National Minimum Wage, là, le gouvernement, le PIB, il tenait pour prendre une décision administrative pour faire ajustement salarial. Qu'est-ce qu'il y a pour faire ça? Que ce soit le gouvernement, que ce soit dans le privé. Donc là, nous avons envoyé un net Premier ministre pour dire au Premier ministre, une pétition qui est signée par un travailleur, nous avons envoyé ça au gouvernement. Pour dire besoin de faire justement salarial à la suite de l'introduction du salaire minimum. Donc, nous pensons que ça va faire la besoin pour être à partir de janvier 2018. Nous pouvons attendre que le gouvernement vienne avec ça. Pour nous, ça, c'est qu'il nous donne en termes l'avance, l'OPIRB. La vraie différence, nous ne pouvons pas demander l'avance de l'OPIRB, nous demandons justement salarial. C'est ça qui nous a adressé, et pour le public et pour le privé.